Salut, c'est Clément, je suis actuellement devant Buckingham Palace et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment draguer une amie. Alors déjà, si vous vous posez cette question, c'est que très probablement, vous avez été inauthentique avec l'ami en question. Très probablement que si vous êtes dans ce cas, vous avez une amie que vous essayez de la draguer, vous vous posez la question de comment la draguer, très probablement que ça fait un moment que vous êtes attiré par elle et que ça fait un moment que vous lui cachez votre intérêt. Ça fait un moment que vous dissimulez ce que vous ressentez pour elle, que vous essayez de très discrètement tester les eaux et au final vous montrez l'attitude d'un ami et du coup elle vous traite comme votre attitude demande qu'elle vous traite, c'est-à-dire comme un ami. Et du coup si vous voulez changer cette situation, le conseil que je vous donnerais, c'est commencer à traiter cette fille comme vous traiteriez une fille que vous essayez de dater, une fille avec qui vous essayez de faire des rendez-vous amoureux évidemment. Donc commencez à la traiter comme ça, comme vous traiteriez une fille que vous venez de rencontrer et que vous essayez de draguer. Les mêmes choses, commencez à sexualiser, mais sexualiser de manière légère, authentique et sans trop forcer. Sans trop forcer, vous venez de la rencontrer, vous avez le temps. Et si je pouvais vous donner un exercice, ce serait faites une liste de toutes les choses que vous faites avec des filles que vous venez de rencontrer et que vous ne faites pas avec elles. Faites une liste de toutes les choses que vous faites avec elles et que vous ne feriez jamais avec une fille que vous venez de rencontrer. Et commencez à changer la balance de cette liste. Commencez à prendre des choses de la liste que vous ne faites pas avec elles et que vous devriez faire. Et commencez à enlever des choses que vous faites avec elles et que vous ne devriez pas faire. Si vous voulez montrer que vous êtes là pour avoir plus qu'une relation d'amitié. Et si vous faites ça sur une durée quand même un peu plus importante, dans le sens où elle aura besoin de temps pour voir que cette relation s'adapte, alors vous avez des chances de transformer cette amitié en plus que ça. Mais je tiens quand même à vous donner un avertissement. Si ça fait un moment que vous lui tournez autour, si ça fait un moment qu'elle vous plaît et que vous n'avez rien fait, il est très probable que vous soyez enfoui dans la friend zone. J'ai des vidéos là-dessus, mais très probablement que si vous êtes enfoui dans la friend zone depuis longtemps, ça va être un peu du temps perdu. Mais si vous voulez tester, voilà comment je ferais si j'étais à votre place. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez développer vos compétences pour créer des relations fortes avec les filles, l'école des guerriers, je vous mets le lien dans la description. Et j'espère pouvoir travailler avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.